Bonjour et bienvenue sur l'idée de Training Action. Nous sommes le jeudi 8 août 2019, voici l'analyse du titre Adidas. Adidas a publié ses résultats pour le second trimestre 2019 le 8 août. Sur la période, les ventes sont ressorties en progression de plus 4,7% à 5,51 milliards d'euros. C'est un peu moins que le consensus qui visait 5,54 milliards. Mais le groupe s'est dit confiant pour la seconde partie de l'année. Il table ainsi sur une accélération du chiffre d'affaires de juillet à décembre après plus 5,4% au premier semestre. Au total, l'année 2019 devrait offrir une croissance des ventes allant de plus 5% à plus 8%. Du point de vue graphique, cette publication a été accueillie de manière mitigée. Mais le titre a préservé de haute lutte le support à 264 euros, signalant l'apparition d'intérêts acheteurs. Tant que ce niveau est préservé, le titre sera en mesure de reconquérir deux niveaux. La résistance à 280 euros, renforcée par un gap et un 50% de retracement, puis, si les marchés le permettent, les plus hauts historiques à 297 euros. Le niveau d'invalidation est placé sous 264 euros en clôture. En cas de cassure, les cours redescendraient alors vers le support majeur à 254,40 euros. C'était l'idée de Training Action. Bonne journée à vous et à demain!